Nous avons sous place envoyé spécial, nous, Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis, que convention a avancé. Nous disons, nous arrivons dans la troisième journée. Dis-nous, non, ça qui gagne dans le programme pour aujourd'hui. Bonsoir Jacqueline, c'est troisième journée, hein? C'est une journée l'autre fois encore qui pourrait être intéressant, puisque pour troisième journée ça, il y a un thème. Thématique là pour troisième journée ça, eh ben c'est Run America là fort l'autre fois encore. C'est thème là qui pourrait développer et certainement il pourrait parler de politique étrangère, politique internationale, pays américain et positionnement les États-Unis dans le monde là. C'est thème là est gagné pour développer thème ça et pour parler avec délégués qui pourraient camper des domaines là qui pourraient chauffer et ça nous pourrait certainement joindre des leaders des membres Parti républicain qui pourra défiler sous podium non, puis parler, puis galvaniser ça là. Nous voyons que c'est quand même une ambiance très festive, et en pile électricité, en pile chaleur dans salle ça. Na baou Jacqueline, eh ben une idée de quantité, alors qualité monde qui pourra parler, deux ou trois, nous pas une liste très longue, mais na baou deux ou trois. Par exemple, notamment on parlait de Rick Greenwell qui lui-même c'est ancien directeur service intelligence nationale pays États-Unis. Il est important puisqu'il a parlé de politique étrangère. N'a besoin tout ancien président Newt Gingrich, Thomas Homan, qui est ancien directeur service immigration et douane, ICE, gouverneur état Texas, la présentation à la palais, Greg Abbott, n'a bien petit garçon, ancien président Donald Trump Jr. Et puis, c'est un discours qui a pile monde pour avoir plaisir, attendez, et bien pour la première fois, pour faire connaissance peut-être avec lui en public, délégué ensemble avec le public en général, qui pourra regarder sur la télévision à travers le monde, n'a pas joindre Usha Vance, qui c'est madame vice-président nominée J.D. Vance. Donc un programme très intéressant et puis des leaders, des invités, des monde qui pourraient prendre la parole, qui encore une fois pourraient galvaniser ça là, qui pourraient faire et bien électriser et nous a dit bon, tout le monde qui a plaidé parce que faut nous voir que non seulement il y a des monde qui dans salle là qui a regardé, il y a des monde qui dehors et certainement il y a des monde qui à travers le monde qui branché qui a regardé puisque c'est la première fois que pourraient entendre madame vice-président nominée et puis comme on t'a dit tout Jacqueline, le clou la soirée, c'est vice-président nommé à lui-même qui pourrait prendre la parole, sénateur Ohio, J.D. Vance, Jacqueline. Donc c'est pratiquement une soirée qui est chargée. Et Valério, normalement pour grand événement ça, dans pile sécurité, et ça qui passe samedi dernier, tentative, ça a considéré comme une tentative d'assassinat sous ancien président Donald Trump, fait que sécurité a venu en genre spécial encore. Troisième journée, qui est en sécurité ailleurs? Troisième journée, hein, sécurité, hein, nous dit sécurité en même genre, peut-être même un petit peu augmentée. Information que nous joignons, il faut qu'on ait que c'est déjà depuis 18 mois quand même que les services secrets, la police Milwaukee, avec tous les services qui sont intéressés dans les affaires de sécurité, a préparé et pour yo positionner en façon pour yo vraiment sécuriser le périmètre côté que Convention nationale Parti républicain a fait. Donc 18 mois de préparation, je dis à nous les résultats. Ils ont arrivé à barricader tout le périmètre, c'est que Guédère peut peut-être qu'il y a une rivière à côté stadium. Ça va me préciser pour nous que c'est un gros stadium, Fizzverse Forum, c'est comme ça le relais, qui sont stadiums de sport, c'est vrai, qui recevoir des grandes équipes sportives, mais qui quand même est sous plusieurs blocs, qui gagnent un bel périmètre de couverture. Donc, ils sont obligés de sécuriser Routio. Nous remarquons encore une fois, je dis, pendant que tu as venu, nous remarquons les policiers sous bicyclette, ce qui est intéressant. Une quantité de policiers sous bicyclette, chien qui a sniffé normalement et machine avec moun, y a pour entrer dans la barrière, arriver dans stadium, non, sécurité a toujours serré. Donc, avec 18 mois de préparation, il y a quand même 15 unités de sécurité, l'autre agence de sécurité qui ont même tout entré dans le système de sécurité. Ça, il faut nous dire, moi, remarquer, moi-même personnellement, présence, par exemple, policier Miami, moi, la police Miami, moi, la police Chicago. Donc, il semblerait, ma baisse ça sous réserve, il semblerait qu'il y a fait appel avec le corps police, l'autre ville, l'autre état, pour venir renforcer police, ou du moins sécurité, en dedans et convention ça, Jacques. Donc, je pense que c'est important pour nous mentionner ça parce que si on va qui saute aux yeux, il est moins que la police Miami dans la zone, la police Chicago, tout, Jacqueline. Oui. Et Valério, aujourd'hui, c'est la troisième journée, hein, soirée à chargé. Et qui ça nous capable de retenir de deuxième journée qui était passée hier ou bien deuxième soirée hein? Hier, deuxième journée, bon, on nous dit plutôt soirée, puisque vous remarquez que c'est aux environs de 6h, 7h que délégués ont commencé à rentrer là en foule, en masse, et à rentrer et venir assister à la troisième soirée. Donc, pour deuxième soirée, c'était hier, et ben, c'était un défilé de leaders du Parti républicain qui était venu en gros morceau, nous a dit, ils étaient prêts pour le podium, puis ils ont fait propre campagne électorale. Ils étaient évidemment venus faire éloge pour l'ancien président Donald Trump qui s'est nominé parti. Donc, ils ont vraiment battu bravo pour lui. Nous remarquons entrepreneurs, anciens candidats à
présidence Vivek Ramaswamy, nous remarquer Belfi et Donald Trump lui-même, Lara Trump qui t'est parlé, sénateur Texas là et Ted Cruz, gouverneur ville Miami en tout, Ron DeSantis qui te font un discours assez apprécié. Et puis nous joignent plusieurs autres monde qui passé qui eux même quand même yo encore une fois montré que yon unité dans parti républicain. C'est une bagaille qui en pile monde qui a observé noté, yo montré unité yo, notamment nous prend Nikki Haley qui lui-même tout qui était ancien ambassadrice Nations Unies aux États-Unis pendant l'administration Donald Trump là, li vini avec un discours de ralliement, un discours d'unité et il dit clairement que lui-même il baille tout support à toute force li, à Donald Trump. C'était ça qui était peut-être a retenu hier avec un pléiade de plusieurs leaders qui passaient qui défilaient. Si c'est vrai, ils ont fait campagne, ils ont poussé petit point pour eux-mêmes, ils ont capable faire déléguer, penser à eux pour prochaine élection parce qu'il faut préciser en nous clair que après mandat ça, si toutefois que c'est un ticket et républicain qui t'a passé une élection, et ben c'est 4 années seulement que Donald Trump a fait. Donc eux-mêmes ils ont positionné pour peut-être ils prennent la relève. Donc c'est ça, c'est qu'on salte hier un message d'unité dans mi-temps parti républicain, Jacqueline. Valério Saint-Louis, c'est envoyé spécial service créole là dans occasion convention nationale parti républicain et Valério Konya pour entrer pifon dans deuxième soirée à côté que t'es grand pile intervenant qui t'est venu, il fait campagne et il t'est fait éloge pour ancien président Donald Trump. Valério Saint-Louis, on le fait encore. President Donald J. Trump. Thème politique deuxième jour convention nationale républicain, c'était fait America retourner gain sécurité encore. Mais l'ité carré les tout fait tout républicain yo retourner gentil à l'autre encore. Ancien ennemi politique Donald Trump yo, pendant déroulement élection primaire parti à Anissa, t'es défilé une après l'autre et yo te bail un message unité. Vivek Ramaswamy, ancien candidat présidentiel républicain. If you want to seal the border, vote. Si vous voulez fermer frontière, votez Trump. Si vous voulez rétablir la loi avec l'ordre dans le pays, votez Trump. En plus de entrepreneur Vivek Ramaswamy, ancien gouverneur Caroline Dicidla, Nikki Haley, lui-même tout est metté sous côté différence politique que le gagné avant ça avec ancien président. I'll start by making one thing. M'a commencé pour me faire une seule bagaille bien clair pour nous. Moi bail Donald Trump tout endossement si pour moi à toute force moi. N'a rappelé que pendant bataille campagne élection primaire Anissa, Nikki Haley était dernier opposant qui était campé face à face contre Donald Trump. Il était ambassadeur États-Unis aux Nations Unies pendant l'administration Trump là et il pas manqué shooter sous ancien boss comme un monde incompétent et qui pas élu. Bon côté par eux-mêmes délégués qui sorti dans état Nikki Haley en tant que Jerry McDaniel et Robin Haley préféré garder devant, yo pas voulu garder derrière encore. Jerry McDaniel, délégué républicain Caroline Dicide. It doesn't matter who ran against him before. Pas important qui monde qui était campé en face li avant. Président Trump a réuni nous tout ensemble. Et c'est ça nous voulons. Ouais. Est-ce qu'on pense que gouvernement Haley gagne Kelly totalement dans la campagne Donald Trump en 2024 ça qui connait à mettre le contre président Biden? I think if she is a person that I think that she might be. Moi penser si c'est monde que moi penser que le takay a parce que me pas connait elle. Moi penser que le gain pour pardonner et puis mettre motivation pour avancer et puis kembe nous en tête ensemble pour aider pays noir. L'autre ancien opposant Donald Trump qui sorti dans élection primaire année ça avec l'autre ancien opposant yo qui était prêt la parole dans convention hier m'a dit inclus sénateur état Texas là Ted Cruz, Marco Rubio dans état Floride, ancien secrétaire logement Ben Carson avec gouverneur Floride là Ron DeSantis. My fellow Republican. Républicain pareil moi yo. Envoie Joe Biden tourner dans basement sous sol là et puis envoie Donald Trump tourner dans Maison Blanche. Ça y est, c'est quelques anciens candidats et futurs candidats présidentiels qui t'a fait louange Donald Trump hier soir dans la convention avec espoir que yo t'a joué une faveur lui ensemble avec faveur délégué pour l'autre 4 années qu'a vinn là yo. Parce que kounia on nous dit que ticket républicain t'a remporté la victoire en novembre. Ça t'a fait Donald Trump deuxième et dernier thème mandat. Pour VOA News, Steve Herman, adaptation créole, Valério Saint-Louis. Pour VOA Créole, depuis convention nationale républicaine dans Milwaukee.